Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma page Facebook, tu attends quoi? Si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mes vérités, n'oublie pas de t'abonner. Au moins, si tu t'abonnes, ça peut me donner encore le courage de dire, ah franchement, il y a des gens qui s'abonnent, hein. C'est que je vais avoir au moins là, le courage de venir m'exprimer, de venir dire, de venir casser le papo, que ce qu'ils appellent papo. Bref, la famille. J'aimerais vous présenter une petite vidéo de 10 à 9 minutes de Don Gravano qui aujourd'hui qui a la liste des gens qui ont disparu dans le temps de Gbagbo où il était au pouvoir. Des gens qui ont perdu la vie dans le gouvernement où Gbagbo était au pouvoir. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Parce qu'on voit aujourd'hui, on voit sur la toile que quand Gbagbo s'en fait ses conférences, ses meetings, c'est Gbagbo qui dit non, lui n'est pas là pour emprisonner des gens. Lui, quand tu l'insultes, lui t'insulte en retour. Mais en principe, quand il dit, toi tu n'es pas là pour emprisonner des gens, ok. Mais toi tu fais quoi? Par exemple, tu ne peux pas me dire non, que toi tu as insulté. Ce que toi tu as insulté, là, Babou, viens, tu vas nous dire c'est qui tu as insulté. Qui t'a insulté? Puis toi tu es venu nous répondre. Faut venir nous dire. Si c'est par les journaux, vous pouvez montrer, hein, tout est sur le net. Vous pouvez dire, bon, telle année, telle date, tel jour, partez sur les journaux, ça est là. Nous, on va taper. Il y a des gens qui ont l'argent pour aller ici, si les journaux là, et on vont faire sortir. Arrête quand même. Voici quand Gbagbo est au pouvoir, des gens qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Donc, Gravano a la liste de cette personne qui ont perdu la vie. C'est pas moi. Oh. Écoutez très bien, il va citer les noms et il va décortiquer aussi le pourquoi on les a arrêtés et le pourquoi ils ont mis d'autres en prison et le pourquoi ils ont assassiné d'autres. Écoutez très bien. Parce que si on dit cette histoire de la rébellion, cette histoire des bêtises qui se passent en Côte d'Ivoire, ceux qui sont là, ils parlent du passé. Oui, ah, on va faire, oui, c'est Alassane qui a fait ceci. Oui, quand on les parle, oui, c'est ça, oui, rébellion a fait que Gbagbo a fait ceci. Mais vous avez fait qu'il y a des gens qui vont aller fouiller en bas aussi et dans le passé aussi. Pour vous rattraper. Vous voyez, non? Moi, quand moi, je vous dis, il y a des choses, si tout, des gens qui suivent Gbagbo, des gens qui sont opposants, pas Gbagbo seulement, des gens qui sont opposants, c'est vous commencez d'abord et après, des gens viennent terminer. Ah, c'est ça, tu es là. Hein? C'est qui on peut faire? Moi, je vous dis toujours, la réconciliation. Pourquoi on ne peut pas parler de la réconciliation? Pourquoi on ne peut pas sensibiliser la jeunesse? Ou si on ne peut pas sensibiliser au moins les Ivoiriens pour oublier le passé? Pour aller s'enrôler, pour avoir sa carte d'électeur, pour être prêt à aller voter. Mais vous êtes là, c'est dans le passé. La guerre, tuerie, oui, ils ont assassiné telle personne. Oui, moi, je ne suis pas là pour assassiner. Moi, je suis là pour répondre des injures. Moi, je suis là, oui, moi, je suis comme ça. Donc, tu es en train de vilipender d'autres. Mais tu ne sais pas que quand tu. Toi-même, tu as dit, quand tu marches, tu laisses tes traces. Oh, tu as fait des dégâts, ça, c'est plus trace. Tu as fait des dégâts que les gens. Ça, c'est. On appelle ça extrait. Parce que. Donc, Gravano, il a la liste des victimes, des gens qui sont morts, des gens ils ont mis en prison. Et mais tout, on dit tout. Ah, il y a lui là, son nom là, vraiment, ça me blesse la bouche. Tout. Bon, la famille, voici donc Gravano, il va parler, on va avancer. Sinon, le nom de tout. Notre Kafana Kone, le même Kafana Kone, a été arrêté par Laurent Gbagbo. Et ça aussi, c'était en 2000. Et selon lui, que c'était pendant une marche, que ces gens ont été arrêtés pendant une marche. Mais il a oublié, on va lui rappeler ça. Aliou Koulibaly a été arrêté par Laurent Gbagbo en 2000. Kafana Koné a été arrêté par Laurent Gbagbo en 2000. Soul Toussoul, qui est aujourd'hui en prison, mais à l'époque, qui était RDR, à ce moment-là, il n'avait pas suivi Soro dans son intention de prendre le pouvoir par les armes. Soul Toussoul a été arrêté par Laurent Gbagbo. Tout le monde se souvient bien de cette photo sur le journal Le Patriote, où il a le dos cicatrisé, le dos ensanglanté. C'était sous Laurent Gbagbo. Peut-être Laurent Gbagbo l'a oublié ça, mais on va lui rappeler ça. Il y a Soul Toussoul. Il y a le fils de la chancelière Henriette Dabry-Diabaté. Ouais, manière, c'est comment tu vois. Le fils de la chancelière Henri Dabry-Diabaté, qui s'appelle Philippe Kabore. Le monsieur, il a été frappé, parce qu'il a perdu un œil. C'était sous Laurent Gbagbo. Et après ça, il a été jeté en prison. Ça, Laurent Gbagbo, parce qu'on a oublié ça. On n'a pas oublié ça. Il y a Ali Keïta,
à l'époque, était porte-parole adjoint du RDR. Il a été arrêté. Et l'accusation qu'on a portée, si vous vous rappelez bien, il était en tenue, ils ont fait porter une tenue d'oiseau pour dire qu'il voulait s'envoler comme un oiseau. C'est l'accusation qu'on a portée. Et tout ça pendant une marche. Et que c'était des oiseaux qui ont été recrutés. Ali Keïta a été arrêté à l'époque là. Et que sur lui, il y avait des poudres de fusil. Et qu'il s'apprêtait à s'envoler comme un oiseau. Voilà l'argument qu'ils envoyaient à l'époque. Ali Keïta a été arrêté. Avant que lui, au moins, après qu'il change pour le jeune Laurent Gbagbo, mais il a été arrêté. Ali Keïta. Et Laurent Gbagbo, il oublie ça. Et il était porte-parole adjoint. Paix à son âme, camarade H, qui a été éliminé après par les miliciens de Laurent Gbagbo, a été arrêté. Et ça, c'était en 2000. Voilà. Jean-Philippe Kabouré, il a été arrêté. Ils l'ont frappé, il a perdu un œil. Et après, on les a jetés en prison. Et nous, on n'a pas oublié ça. Si Laurent Gbagbo a oublié ça, nous, on n'a pas oublié ça. Ok, ça c'est un fait très important. Et ils ont été arrêtés et jetés à la maca. Et que après même on les a libérés sans preuve parce qu'ils n'avaient même pas de preuves contre eux. Laurent Gbagbo l'a oublié ça. Et ça c'est ce que lui la chance qu'il va être en prison. Hein. Ok, je continue. Février 2001, c'était sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Jean-Jacques Béchiot, père à son homme, en ce moment il était conseiller politique du président de la République actuel. Le président Alassane Ouattara était conseiller politique du président de la République. Il a été arrêté, vous vous souvenez bien, complot. La cabine téléphonique. Ouais, souvenez de ça. J'espère que tu vas bien. Complot de la cabine téléphonique. Vous souvenez bien de ça. Et que, ils sont partis. D'après eux, ils sont partis chez lui et ils ont découvert les machettes. Qui voulaient faire coup d'état avec machette. On se souvient bien de ça. Il a été arrêté. Il a été frappé. Il a été humilié et il a été jeté en prison. Après, MSO les réfléchit. Ils les ont libérés sans motif parce qu'il n'y avait pas de preuves contre eux. Ça était sous Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a oublié ça. On va lui rappeler ça. Ok. En juin 2002, Vous rappelez bien Ahmed Bassam. Vous rappelez bien Ahmed Bassam. Le SPDG de la société H. Voilà. SPDG de la société H. Ahmed Bassam a été arrêté sous Laurent Gbagbo. Et on l'accusait de soutenir financièrement des hommes politiques et un parti politique faisant allusion au RDR à l'époque. Il a été arrêté. Il a été même condamné 20 ans de prison. Qu'il voulait faire un coup d'État. Et ils n'avaient aucune preuve contre lui. Vous comprenez? Voilà, ça c'était sur Laurent Gbagbo. Et comme Laurent Gbagbo a oublié ça, on va lui rappeler ça. Je continue. Octobre 2002, il y a un monsieur qu'on appelait Damili Bazouma. Il était le président, on l'appelait recteur. Il était le président des grains de Côte d'Ivoire. Et comme sur Laurent Gbagbo, il disait que c'est dans les grains que les militants de RHDP se retrouvent pour comploter contre son pouvoir, ce monsieur, il a été arrêté. Il a été arrêté et il a été accompagné. Hein? Il a été accompagné à la présidence, sous le sous-sol de la présidence. Il a été frappé, il a été humilié, et après, ils l'ont jeté à la maca. Jusqu'à présent, ce monsieur-là porte encore les séquelles des séquelles de la séquestration qu'il a subie sous le pouvoir de Laurent Gbagbo au sous-sol. C'est-à-dire que lui-même, là, c'est pas à la maca seulement qu'on l'envoyait. Avant de l'avoir à la maca, on l'envoyait où Gbagbo même fait ses réunions-là. C'est-à-dire où même ici, où il s'assoit à la présidence, là. C'est vraiment à la présidence de Laurent Gbagbo, là. Il y avait ça de torture là-bas. D'abord, on t'envoie, puis on te frappait. Il y a certains qui ont été tués là-bas. Et lui, là, ils l'ont frappé, cassé ses membres. Puis après, maintenant, ils l'ont jeté maintenant à la maca. Jusqu'à présent, le gars, il porte les séquelles de ce qu'il a subi à la présence sous Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a oublié ça. On va lui rappeler ça. On va lui rappeler ça. Ok. On va lui rappeler ça. Voilà. Février 2008, monsieur Aye Alexandre, un membre fondateur du RDR. Et il a été arrêté. Incarcéré à la maca, vous savez pour quel motif il a été arrêté? Que ce monsieur-là voulait faire exploser le véhicule de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le côté présidentiel, Aye Alexandre a été arrêté pour ça, qu'il voulait faire exploser le cortège présidentiel. C'était en octobre, et c'était en février 2008. C'est Gbagbo qui est au pouvoir en 2008. Le gars n'est pas été en prison, il a été en prison pour 6 mois. Le seul motif pour lequel on l'a arrêté, vous savez, pourquoi? Parce qu'il est membre fondateur du RDR. Le monsieur, il a été jeté en prison pendant 6 mois. Après, eux-mêmes l'ont relâché parce qu'il n'a aucune preuve contre lui. Ça, c'était sous Laurent Gbagbo. Et que sous Laurent Gbagbo, on arrêtait les gens sans preuve. Ok. Voilà. Juin 2008, Gay Paul, ex-secrétaire général de la FESI. Vous l'avez connu, c'était un étudiant. Eh bien, Gay Paul, parce qu'il s'opposait à l'époque à la FESI, ce monsieur-là a été arrêté d'un maquis à Yopougon.
Ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont mis manu militari. Ils sont allés le citer à la Maka. C'était Gueye Paul. C'était sous Laurent Gbagbo. On n'a pas oublié ça. Et je vais vous citer, même Habib Dodo a été pris à Yopougon sous Laurent Gbagbo et il a été séquestré, humilié et tué, assassiné sous Laurent Gbagbo. On n'a pas oublié ça. Parce que il voulait créer un autre mouvement syndicaliste qui serait s'opposer à son bébé qui est la fessie. Il a été pris, il a été tué, Habib Dodo. Vous vous rappelez bien ce nom? Voilà. C'était sous Laurent Gbagbo. J'ai oublié même de vous citer, août 2004, Alphonse Kobina Kostounou Prince, membre du PDCI, il a été alerté sous Laurent Gbagbo. J'étais en prison. Et il y a aussi Emous Sylvestre. Celui aussi a été arrêté sous Laurent Gbagbo et j'étais en prison. Donc, ce monsieur-là ne veut pas venir nous dire aujourd'hui tout ce que je viens de citer là. Ce monsieur ne peut pas venir dire aujourd'hui que lui, sous son pouvoir, qu'on ne mettait pas les gens en prison. C'est vrai, il a raison. On ne mettait pas les gens en prison. Mais ce qu'il vient de citer là, c'est eux qui ont eu la chance d'aller en prison sous Laurent Gbagbo. Ce qu'il vient de citer, c'est eux qui ont eu la chance d'aller en prison sous Laurent Gbagbo. Ceux qui sont connus, qui sont en prison sous Laurent Gbagbo, c'est eux qui viennent de citer. Maintenant, ceux qui sont connus, qui n'ont pas eu la chance d'aller en prison, mais qui ont eu la malchance de se retrouver sous pied sur terre, Guy Robert, bien évidemment. Qui était Guy Robert? Guy Robert est sur le général Guy Robert. Il était chef d'état-major sous Bédier. Vous comprenez? Et malheureusement, Guy Robert, quand il y a eu le coup d'état des 14-19, les juges ont allé le chercher et à Kabakouma pour venir diriger la junte militaire. On connaît la suite, Guy Robert, qui a trahi la confiance que les jeunes avaient mis en lui, a créé son parti politique qu'on appelle UDPCI. C'est-à-dire que c'est un nom politique. Mais Guy Robert a été tué par qui? Bien évidemment, par Laurent Gbagbo, sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce qu'à l'époque, celui qu'on appelait, qui était le premier ministre, c'était Affi Nguessan, qui est aujourd'hui le président du parti qu'on appelle le FPI, l'ex-parti du président Laurent Gbagbo. Et Guy Robert était accusé de tentative de déstabilisation et qu'il allait faire une déclaration de prise au pouvoir à la RTI. Son corps a été retrouvé à la corniche avec les membres de sa garde rapprochée, dont Fabien Koulibaly, et c'est un gars. Guy Gbagbo ne peut pas nous dire que c'est pas lui qui a tué Guy Robert, parce que ce jour-là au pouvoir, c'est lui qui était là. En 2002, c'est lui qui était au pouvoir. Et bien évidemment, ils ont failli éliminer même le président Hassan Ouattara, qui était un homme politique aussi, président du RDR. Donc, il ne peut pas nous dire qu'il n'a jamais tué quelqu'un. Il a tué Guy Robert. Et même avant ça, il y a eu le forum de la réconciliation. Pendant le forum de la réconciliation, un homme qu'on appelle T. Emile, qui était président d'un parti politique qu'on appelle le MPI, Mouvement Populaire Ivoirien, qui a été un collaborateur de lui-même, Laurent Gbagbo, est venu au forum de la réconciliation ici, et il a désavoué Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo est tel qu'un rancunier, il n'a pas apprécié ça, et il a envoyé ses chiens de garde, et ils l'ont pris, celui Manu Militari, aux yeux de tout le monde à Yopougon. Et le monsieur a été retrouvé dans la forêt du Banco le lendemain, assassiné. Donc Laurent Gbagbo ne peut pas nous dire que non, que lui n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Bien évidemment, sous le président Sam Ouattara, Laurent Gbagbo pas de prison. Bref, la famille, vous avez écouté Doc Ravano, ce qu'il a dit. Franchement, ça là, on appelle ça la liste d'extraits. Quand le film veut commencer là, c'est extrait, on monte, non? Les petits parties qui chauffent là. On monte d'abord et puis après, on vient déballer le film. La liste qu'il vous a montrée, ça là, on appelle ça l'extrait. Comment on dit quelqu'un porte habit de dozo, on lui fait porter habit de dozo pour s'envoler, lui on l'attrape. Ah! Vraiment, on peut faire ça. Vous savez, dans ce pays où on est là, excusez-moi, il y avait éteint la lumière. Dans ce pays où on est là, franchement, trop c'est trop. Parce que si on dit on va rester dans le passé, on ne veut pas avancer. On veut rester toujours dans le passé là. On ne va pas avancer. Parce que quand Gbagbo veut parler, lui il ne dit pas non, que oui, bon, le passé c'est le passé, on a qu'à... Non, non, non. Lui, il dit, lui, quand il était au pouvoir, lui, il ne mettait pas des gens en prison. Mais posez question à Gbagbo Laurent. Il dit, oh, Bala Keïta. Mais on laisse, d'autres ne connaissent pas Bala Keïta. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Posez question à Gbagbo que Guy Robert, il est où? Il est allé en mission, ou il est allé en congé, ou il est allé en vacances. Donc, quand nous dit, posez question ça à Laurent Gbagbo. Mais c'est dans ton temps que toi, tu as dit non que. Toi, tu ne tuais pas des gens, ou soit tu n'emprisonnais pas des gens, mais
Quand quelqu'un t'insulte, il insulte. Donc, si je comprends très bien, Guéhi Robert a tiré dans tes pieds ou a tiré dans ta tête comme Dadis Camara, ils ont tiré dans sa tête, lui n'est pas mort aujourd'hui, il vit. Ou c'est ça, toi tu aussi, toi tu as répliqué et puis il est mort. Donc, quand on dit la vérité, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Parce que si vous êtes là, en train de dire que oui, je suis quitté en prison, bon, vraiment, il y a eu des morts. Moi, si moi j'étais partisan de Gbagbo, moi, ce qui pourrait dire, ah, franchement, papa, il faut sensibiliser parce que le peuple a besoin de toi. Les Ivoiriens aussi ont besoin de toi. Faut nous dire, faut nous sensibiliser, on va avancer. Parce que si tu dis, tu vas rester dans le passé là, le passé ne peut pas avancer un pays. Oui, le passé ne peut pas avancer un pays. Où on va dire, non, oui, moi quand j'étais là, quand moi j'étais là, quand moi j'étais, on va rester dans quand moi j'étais là jusqu'à. Des gens sont là à travailler, nous on voit les boulots, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous on est en train de voir. Donc Ravano, ça là on appelle ça extrait. Sinon tu n'as pas toute la liste. La liste même est là. D'autres mecs, ils vont commencer à déballer même jusqu'à ça rentrer dans au moins 20 000 morts même. Par exemple, Gbagbo même a bien souligné que non. Chaque jour, il y avait au moins 1 000 morts. Lui-même, il a dit dans une vidéo, il a dit non, que oui, chaque jour, il y avait 1 000 morts en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire, lui, il connaît là combien de personnes qui sont mortes. Si Gbagbo, ceux qui sont là, ceux qui sont autour de Gbagbo, ou soit les militants de Gbagbo, je ne peux pas dire autour de Gbagbo, mais si tous les cyberactivistes de Gbagbo, ceux qui sont là pour en train de cuiser Alassane pour dire, c'est Alassane qui a envoyé la rébellion, etc., etc. Si Gbagbo même est au courant que oui, c'est Alassane qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, qui est venue l'attaquer là, à la CPI, il allait parler de ça. Mais on connaît Gbagbo. Moi, je connais. Il dit, c'est mon pépé, c'est mon client, on se connaît. Il allait dire, madame, procureur, ta, monsieur le procureur, voici ça, lui qui était à la base de la rébellion, il s'appelle Alassane. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit. Ça veut dire, s'il n'a pas dit, c'est que vraiment, le gars n'est pas. Qui m'a envoyé ça? La personne même n'est pas vraiment là. C'est pas papa d'autre qui est à la base de ça. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Par exemple, Gbagbo même a bien souligné qu'il y a deux pays. Il y a deux pays qui étaient contre la Côte d'Ivoire et qui soutenaient les rebelles. Il a dit Burkina et il dit deuxième pays là. Si je parle de ça ici, c'est pas bon. Partez écouter la sortie des choses, comment dirais-je, Azopé. Il a mentionné là-bas. Le même Laurent Gbagbo aussi a dit, moi je n'ai pas respecté, Félix Feboigny et je n'ai même pas laissé Félix Feboigny à bien gérer son pays. Est-ce que c'est ses enfants, moi je vais, ses enfants c'est quoi? C'est dit, si toi mais tu as mangé la tête là, que là va te faire quoi? C'est ça, lui mais il a bien souligné. C'est dit, où lui il est là? Lui il ne voit pas comment Alassane est en train de diriger le pays, non. Damien, il a nuit pouvoir des choses, comment dirais-je, Félix Feboigny, là, c'est pareil aussi. Je vais vous rappeler quelque chose, je pense que ceux qui ont vécu, ceux qui étaient là, quand Laurent Gbagbo était candidat et Félix Feboigny était candidat, quand ils ont fait ça, Félix Feboigny a gagné, Laurent Gbagbo a pris le micro et puis il est venu parler, il dit non. Lui, il reconnaît et puis il est content que Félix Feboigny a gagné. Parce que lui-même, s'il gagnait là, lui-même, il ne savait pas comment faire pour... fonder ou former son équipe de gouvernementale. Oui, excusez-moi pour le français, mais on va aller. Nous, quand les gars partaient trop trop loin là, nous on prenait notre ardoise, on partait Kéimang, hein. Donc on s'en va un peu. Allons aller pour la capitale. C'est qu'il fait quoi? Il miche d'autres personnes même comme ça. D'autres disent Abata, nous on ne dit pas Abata. On dit nous on a pris notre ardoise là, on allait Kéimang, Mangui, tu vois, Mang là. À chaque coup d'école, là, au village, à chaque coup d'école, il y a plusieurs mangués là-bas. Donc, à Douaze, là, nous, on enlevait. Oh, les gars étudiants, nous, on partait enlever. Quand on finit de manger, là, on vient dans la salle. Vous comprenez, non? Donc, Gbagbo même a dit, non, que, ah, franchement, lui, il est content que Félix Feboigny gagne. Parce que si lui-même, il gagnait, là, il ne savait pas comment former le gouvernement même. Donc, là,
il va se préparer encore. Vous voyez des gens comme ça. Toi-même, tu ne t'es pas encore préparé. Tu ne tu peux même pas comment démarrer même voiture. Et c'est toi qui dis non que oui, je vais être chose, comment dirais-je, conducteur. Je vais être un chauffeur. Vous voyez des choses comme ça. Dieu merci, j'ai fait une vidéo, la vidéo même merci, Facebook aussi, YouTube aussi, où Bagoulora Gbagbo même a dit, où il présentait Afi Nguessan, pour dire oui, moi je suis allé à l'université, j'ai vu Afi Nguessan, quand ils m'ont présenté Afi Nguessan, est-ce que je l'ai pris, mais j'ai vu qu'il dit, est-ce que lui-là, quand si c'est chaud là, le jour que ça va être chaud, est-ce que lui-là ne va pas fuir? Mais après, où c'est devenu chaud, tout est devenu chaud, mais franchement, Afi Nguessan était à côté de moi. Et il a tapé à Fingessa. Et il y a une parole l'a fait sortir. Il dit, quand Félix Boigny mangeait le gâteau, il ne partageait pas. Mais c'est quoi tes gâteaux? C'est le gouvernement. Mais quand Félix Boigny était président, il ne partageait pas. Il ne partageait pas. Partager quoi? Gâteau. Lui-même, il a bien souligné gâteau. Attends, je vais voir si la vidéo même est ici. Si la vidéo est ici, je vais vous montrer. Je vais vous faire jouer. Ah non, non, c'est dans le téléphone que je suis à faire. Donc la vidéo n'est pas ici. Ah merde. J'allais vous faire écouter. Non, la vidéo est de l'autre côté. C'est ici mon Facebook même. Vous comprenez? Il a dit non que oui, Félix Boigny ne partage pas le gâteau. Dieu merci, lui, il est venu. Lui, il pense que quand tu prends le pouvoir... Ou quand tu es au pouvoir, tu es président, il faut prendre cet argent-là, il faut distribuer, payer les RAF, Katoub, aller donner cadeau, aller organiser les élections d'autres pays, de tant. Non, ce n'est pas ça. Quand tu es au pouvoir, là, tu es censé, obligatoirement, tu es censé arranger ton pays. Tu n'es pas là pour dire non, que je vais partager l'argent. Non, tu n'es pas là pour dire Père Noël. Non. Tu n'es pas là pour être Père Noël. Lui-même, il a bien souligné. Il a dit, la partie, là, je vais prendre un jour. J'ai fait une vidéo pour ça. Ça m'a... Il a dit, quand j'ai écouté, puis il a dit, Félix Boigny mangeait le gâteau, mais il ne partageait pas. Ce gâteau-là, c'est quoi? Le pouvoir. Félix Boigny, quand il était au pouvoir, il travaillait. Tant de ceux qui vivaient, tant de Félix Boigny, ils ont vu comment Félix Boigny gérait le pays. Il travaillait malgré... Lui-même, il était malade, il était vieux, mais il travaillait. Les Ivoiriens étaient contents. Eux-mêmes se sentaient à l'aise. Mais Gbagbo a pris le pouvoir. Toi seul, tu prends le pouvoir, le pays est divisé en deux. On dit que tu as fait 2 ans au pouvoir. Maintenant, les 2 ans-là, tu as fait quoi? Les 2 ans-là, tu as fait quoi? C'est-à-dire si on te donne un mandat. Un mandat, c'est 5 ans. Et dans 5 ans, tu as fait 2 ans. 2 ans-là, tu as fait quoi comme preuve? Tu ne peux même pas recouler un pays qui est divisé en deux. On dit, voici la liste des gens qui sont perdus, des gens que toi-même tu as mis en prison aussi, parce que tu dis, toi tu ne mets pas les gens en prison, toi tu les caresses. Quand ils t'insultent, toi aussi, toi tu les insultes. On dit, voici la liste là, tu dis du quoi au juste? Tu dis du quoi au juste? Nous, on veut apprendre beaucoup de choses. Nous, on veut apprendre beaucoup de choses sur toi. Parce que le papa, si vraiment toi-même là, tu étais vraiment, dans mes mots, il dit oui, tu es un homme sage, vraiment, tu es rempli de sagesse là, parce que c'est vous, avez fini avec les proverbes, toi, Blé Goudé. Vous avez fini les proverbes jusqu'à souvent, c'est le proverbe même qui vous instruit encore. Oui, c'est le proverbe même que vous, vous êtes la proverbe, c'est le proverbe même qui vous instruit encore. Parce que c'est toi, c'est pas toi. C'est le proverbe même qui te met dans le problème, et puis tu viens t'instruire pour dire ce que tu es en train de dire là. Tu connais les conséquences de ça? Tu connais les conséquences de ça? Vous dites les choses, oui, telle personne, projet, on dit, oui, proverbe, on vient ici, oui, le dit non, oui, il y a les oiseaux, et à partir de Genève, ou à partir de Dut, il chante, il dit quitter en brousse, oui, partez au village. C'est des trucs, est-ce que vous connaissez la signification de ça? Voici des gens, toi aussi, à ton temps, tu les as mis en prison, d'autres sont là encore, d'autres sont vivants. Prenons-nous au sérieux. On ne peut pas dire, voici l'exemple d'un ancien chef de l'État. Voici celui qui est en train de nous conseiller aujourd'hui. Ah, mes enfants, quand j'étais au pouvoir, vraiment, je sais, je reconnais que j'ai été vraiment trompé parce que je ne pensais pas. Voici ça. Si tu as dit ça, là, les Ivoiriens vont dire, oh, bon, franchement, le gars, là, il est honnête. Hein. Ouais, il est honnête. C'est un président qui est honnête. Ça. Ou soit, si tu ne veux pas dire ça, là, est-ce que tu es obligé de parler?
Tu allais faire tes conférences, tu allais faire tes meetings, partout. Faut parler de toi-même, faut pas parler de autre chose. Des gens qui te suivent, quand tu t'en fais meeting ou tu t'en fais des conférences là, ceux qui sont là-bas dans les villages, les gens t'ont jamais vu. Ça, c'est un d'abord. Les gens veulent écouter ce que tu veux leur dire. Donc, si tu es en train d'expliquer une histoire vraiment, que une histoire qui n'a pas de sens là, ils sont obligés de t'acclamer pour t'encourager encore que ce que tu veux dire là, faut faire sortir encore et puis ils vont t'encourager. C'est ça. Sinon, en principe, les gars t'encouragent. Ce que tu es en train de faire, les gars t'encouragent dans le mensonge ou dans le vrai. Oui! Les gars t'encouragent dedans. Donc, si tu es malin, papa, souvent quand tu t'en parles là, il faut parler de toi-même. Toi-même, dans ta maison est sale et tu t'en dis aux gens que la maison de ton voisin est tellement sale. Mais hey, chez toi, tu as fait 10 ans. Les 10 ans, il y a des gars derrière. Il faut te ressaisir quand même. Faut te ressaisir. Nous, on va prendre l'exemple sur toi pour dire ah, papa Koudou Laurent Gbagbo, c'est un exemple pour moi. Papa Bédier, c'est un exemple pour moi. Ado, lui aussi, c'est un exemple pour moi. On peut le faire. Nous tous, on peut le faire. On peut le... Tellement que papa Ado et papa Laurent Gbagbo n'est pas vraiment... C'est pas un homme crédible. Regardez, écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui a combattu avec sa femme jusqu'à ce qu'ils ont créé le FPI. Aujourd'hui, le FPI n'appartient pas à sa femme. Le FPI même lui-même, ça n'appartient plus. Lui-même encore, il laisse sa femme. Voici le vrai projet de Laurent Gbagbo, c'est quoi? Nadi Baba. Donc nous tous, on s'est mariés. Donc, vous les mamans là, on va vous divorcer, on va chercher les teasers, on va chercher les jeunes filles maintenant. On va chercher les jeunes filles maintenant, là, on va danser la rumba. Donc les mamans là, là, partez dans la salle de gym. Là, vous allez tirer vos corps, nous tous. C'est l'exemple de papa Laurent Gbagbo, nous on prenait. Donc, alors, si on sait qu'on a déjà eu des enfants et vous, on a trop fait beaucoup de choses, on doit changer. Hein. Voilà, on doit changer aussi. C'est l'exemple comme ça. Eux veulent que nous, on n'a qu'à suivre. Changer de femme où il n'y a pas projet, venir diffamer telle personne, venir dire des bêtises. Nous, on n'a qu'à vous écouter comme ça. Jamais de la vie. Prenez-nous au sérieux. Si tu veux vraiment, on veut prendre l'exemple sur toi là. Conduis-toi très bien. Et aussi, dis des choses où nous, on peut dire non, oui, ce gars-là, vraiment, ça va. C'est un ancien président. Mais quand même, quand il lui te conseille, vraiment, ça rentre dans tes oreilles. Regardez dans les autres pays. Regardez les anciens présidents. Ils sont humbles. Ils sont tranquilles. Regardez Abdoulaye Wade. Est-ce que vous attendez parler d'Abdoulaye Wade au Sénégal là-bas? Non, il est dans son coin tranquillement. Tu as géré ou tu n'as pas géré. S'il veut te donner un coup de main, il fait ça. Mais il est dans son coin, sa petite famille, ils sont à l'aise. Et si lui, Abdoulaye Wade, il va faire 3e mandat, ou 10e mandat, ou 15e mandat, ou 13e mandat, ou 20e mandat? Non. Lui n'est pas. Il a fait ses années qu'il pouvait faire. Il a fini là. Il a pris ses clics et clac. Il est resté dans son coin. Qui l'embrouille là-bas? Qui le calcule? Qui s'intéresse à lui? C'est ça qu'on appelle un ancien chef de l'État. C'est pas nous, pour nous là, ils sont là pour danser. Est-ce que vous avez vu Ado? Ado, j'ai vu Ado danser deux fois. Ouais, deux fois. Deux fois. Là, ils l'ont forcé, puis il est venu. Lui, me disait, non, vraiment, quand tu es rempli d'esprit, ils sont pas forts. Ceux qui sont beaucoup intelligents, ils sont pas forts dans la danse. Papa Laurent Gbagbo, lui, il est fort dans Gbagbo. Mais papa Ado, là, lui, il est fort dans Zouk. Hein. Papa Ado est fort dans Zouk. L'autre là, lui, il fait comme ça. Quand il vient, même. Ah, c'est quoi ça? Bon, la famille, je vais vous laisser vraiment. C'était pour vous présenter la liste, que un peu l'extrait de la liste que Laurent Gbagbo a fait quand il était au pouvoir. Voilà. Donc, les petits débris de dégâts qu'il a fait, c'est ça. Donc, Ravano est venu vous expliquer. Donc, je pense qu'avec le temps, il y aura des cassements de papos qui vont se révéler encore. Vous voyez, dans la vie, c'est mieux que nous-mêmes, on puisse s'entraider. Voilà. Et aussi, je laisse un message. La famille, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des sociétés, vraiment, vous pouvez me contacter. Si c'est pour faire, vous pouvez me le faire gratuitement. Mais en retour, franchement, j'aimerais
que vous m'aidez aussi. Il y a des personnes, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont dans mon groupe, et qu'eux cherchent du boulot. Donc, à n'importe quel genre de boulot, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, je peux leur donner votre numéro, et aussi, eux peuvent vous appeler. Et si vraiment, les gars s'intéressent à ton boulot, et s'ils sont là-bas, moi, je peux faire ta pub gratuitement. Voilà, pendant un mois, chaque jour, pendant un mois dans la semaine, moi, je peux faire trois fois dans la semaine, imaginez-vous. Un mois, ça fait 4 semaines. Donc, dans 4 semaines, là, moi, j'ai fait dans une semaine, je peux faire 3 fois ta pub, 3 fois, jusqu'à les 1 mois là vont finir. Et après, encore 3 mois, j'ai fait encore 1 mois aussi. Donc, franchement, je suis à l'écoute. Ceux qui ont le boulot, vous pouvez me contacter. On va aider la jeunesse aussi. Parce que si on dit, on va compter, si le gouvernement, c'est pas tout, le gouvernement peut faire. Non. Un peu aussi que nous, on connaît. L'expérience aussi, et aussi à travers nos canaux aussi, on peut aider beaucoup de personnes, que leur entreprise peut marcher, ou leur commerce, ou leurs activités peuvent marcher. Mais en retour, moi, je ne dis pas donnez-moi l'argent, je vais faire vos pubs. Mais il y a des gens qui sont en détresse, il y a des gens qui cherchent du boulot. Moi aussi, je veux que ces personnes-là puissent aller travailler chez vous. Au moins, si c'est au minimum 2 personnes ou 3 personnes que tu as pris pour travailler chez toi, ce n'est pas moi que tu as aidé, c'est des personnes que toi-même tu as employées, que toi tu as aidé, que c'est la famille aussi tu as aidé. La famille, j'ai fait ce combat, c'est pour vraiment sensibiliser la jeunesse ivoirienne à aller de l'avant. Ne comptez pas si le gouvernement pour dire non, oui, c'est le gouvernement qui va nous donner le boulot. Non, le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous-mêmes, on doit se donner main dans la main pour aller de l'avant. Donc, mes chers frères et sœurs, ceux qui ont des boulots, ceux qui ont des entreprises, eux cherchent les gens pour travailler là-bas, appelez-moi. Il y a mes frères qui sont là. Pas pour dire les frères de ma famille, non. Ce sont les abonnés comme vous aussi qui cherchent du boulot, qui sont dans mon groupe en cause là-bas. Tout ça, là, c'est eux aussi qui cherchent du boulot. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Laissez les commentaires. Bisous, ciao.